Mais Dieudonné, il a toujours son compte Twitter. Il a 150 000 abonnés dessus. Et c'est là qu'il s'est réfugié hier. Évidemment. Pour dénoncer, je cite, « la chute de la liberté d'expression et la fin de la liberté sur Internet ». Et surtout pour faire la promo de son site à lui. «